Pareil. Sandra m'a dit de vous appeler. J'ai besoin d'aide avec tes téléphones. Ouais, je m'appelle. Si t'as besoin de quelque chose, tu l'auras. Ça me fait plaisir. Je peux plus bouger. Rassard, surveille mes arrières. On se met à couvert. Ah, c'est un stand de tir ou quoi? Oh la vache. Bordel. Je peux plus bouger. J'essaye beaucoup. Là, t'as la grosse artillerie. Non! Arculé, essaie de me descendre! Je me mets à couvert. À terre! Oh, encore! C'est lui, allez-y! Cet enculé, essaie de me descendre! Cet enculé, essaie de me descendre! La cavée ambulante, 3 de vous, les gars. Ouh! Un seul à tabarnak. Alors vous passez. Cet enfoiré m'a tiré dessus. Ouais. À nous deux, sale connard. Ça vous nous fait chier. Thank you.
sais, j'ai vraiment cru que je pourrais y arriver. T'avais tort, on dirait. Ouais. Je vais mettre à lui. On voit quelqu'un à Barclay Mills. Pas moyen que ce quartier nous échappe. Les âmes de Vito vont couvrir mon shit. GTA style, fuck that. Fuck the police, come on, street for the underground.
demande pardon. Couche-toi, mon gars. T'essayes, là. Petit niaisage tout le temps, là. Holy shit.
What's up? Merci de regarder. J'espère pas. Amis à toi? Ces salopes d'enfoirés bossaient pour moi. J'ai plus de cartouches. Oh. Ces connards se sont décidés. Ils aillent expliquer ça à Sal. Qu'on rigole. Amenez-vous, bande de salopes. Venez me chercher. C'est moi qui devrais te tirer dessus, putain! Explosif à quelques endroits que j'ai repéré près de la mine. Il est le premier lot est juste là. Commence par là et on passera à la suite. Tu plaisantais pas avec ces explosifs. C'est ça la vie à la mine. À l'époque, on essayait en quelque sorte de niquer avec la roche, mais tout ce qu'on y gagnait, c'était des gerçures aux couilles. J'ai besoin que tes fumiers se fassent refroidir à Barclay. Come on.
pété le cul. Je l'ai trouvé. L'enfoiré m'a tiré dessus. Je dois pas rester là. J'ai juste oublié de mettre la bombe, mais grave. Ça va? Bah ouais, pourquoi ça irait pas? J'ai dit que certains de ces hommes travaillaient pour moi. Ah, certains. Tous. Tabarnak, c'est ça? Ok. Ok, 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 je m'attends à pas ça. Oh, liste de ferme, man. Deux fois mort. Désolé. Je rush un peu. C'est pour dire que je suis pas facile non plus. Et ni à moyen. Personnel, sale enculé. Ouais, je sais. Là, c'est quoi ? On va faire ça vite. Tu sortiras rien. Très drôle.
Allez, Carlis. Il faut que des fumiers se fassent refroidir un parquet. Laisse-moi un peu plus, on arrive. Ouais, j'ai besoin d'aide là, parce que. Ok. Voici comment tu vas crever. Ok. Plus mort, mais bon. Vous pouvez m'envoyer un nouveau véhicule, je suis à Barthémis. Je suis tort sur le chiffon. Je pourrais pas conduire, même si ma vie en dépendait. On se voit plus tard. Faut qu'on se cache là-dedans. Dieu de merde. Ça te plaît mieux que ça. J'adore. Oui. Tu m'y amènes et je participerai financièrement à ta cause. Ils ont bloqué la porte. Mais on peut toujours foncer dans le tas. Et le tunnel ferroviaire. Le tunnel? C'est toi qui vois. Blanc. Ah, merde. Oui. Okay. Enfin, c'est ça, où est-ce que j'en étais?
Ah ouais. Va te faire foutre! Vous me tuerez jamais! Je suis le roi! Le roi des cafards! Enzo, respire un coup, ils peuvent même pas t'entendre. Je les emmerde! Où est-ce que je te dépose? Je connais une fille, Henrietta. Elle prêche au Carousel Hotel, à Delray. Le genre futé comme une fouine. Je lui ai laissé un sac, au cas où, avec tout ce qu'il me faut. C'est la vie, j'imagine. Bon, bref. Sammy et moi, on était avec ces deux poulettes. On buvait, on faisait la fête, on passait du bon temps, quoi. C'était en 42. Non, 43. Il devait avoir ton âge à l'époque. Bref. La gonzesse, elle commence à chauffer. Le hic, c'est que Sammy est dans les vapes, bourré comme un coin. Mais il lui plaît à cette nana, alors elle insiste. Elle essaye. Elle le galoche, elle le réveille. Mais chaque fois qu'elle se remet dedans, Sammy lui claque entre les doigts. Le pauvre a pas été foutu de garder les yeux ouverts pour rattraper le coup. Elle finit par se lasser, normal. Et elle sort de là en beuglant tout un chapelet d'injures. Et tu sais qui c'était, cette nana? Perla? Hein? Perla? Ah, t'as tout faux. Elle a emménagé à New Bordeaux quand en 44. Je vais te montrer qui c'était. J'ai sa photo, juste là. Tu te fous de moi? Et Sammy a failli s'envoyer. Eh ouais. Elle était sur la route d'Hollywood et elle passait dans le coin. Mais c'était un coup de chance pour Sammy. Perla, c'était l'amour de sa vie. Putain... Cette époque me manque. Fumier de salle. Tu savais que Sammy était vachement fier de toi. Pas seulement pendant cette putain de guerre, mais aussi pour la façon dont tu t'es battu dans la vie pour arriver jusqu'à lui. Dont tu t'es occupé d'Élise et ton aide précieuse quand Perla était malade. Il t'admirait. Ne l'oublie jamais. Cet enfoiré de salle valait pas la moitié de Sammy. Ben quoi? Ah ah. Oh. Non, désolé. Ouais, c'est avant le Battlefield. Je sais pas le filler. Détends-toi un peu, Lincoln. Ah oui. Ils sont pas tous barrés dans l'équipe de Marcano, faut croire. Enzo Conti a retourné sa veste. Personne fait circuler quoi que ce soit à Barclay Mills sans nous payer sa part. Tu m'as demandé de contrôler ce territoire, c'est un premier pas avant de me le confier. Et vu que pour l'instant, j'ai que River Row, j'ai de quoi m'agrandir. Je te mentirais si je te disais que j'attends mon heure. Je sais pas ce que t'as en tête, mais j'en ai ras le cul de poireauter. Tu sais comment ça va se passer, Lincoln. Pour avoir ce territoire, ils vont encore perdre leur temps à jouer à qui a la plus grosse. Tu ferais mieux de me le donner, ce quartier. Comme la dernière fois. Ça irait bien plus vite. Confie-moi les clés du royaume, partenaire. Pas de changement, pas de changement. Fait que je pense que je vais prendre des jolis en partant.
Parce qu'il y a déjà du trafic là-dedans. Il y en a deux en plus, tu sais. Je fais amende honorable là. Si tu me donnes ce quartier, Marcano va en chier des briques. Dès que tu voudras te lancer, je serai partant. Ça veut aucune augmentation. Je m'en calisse un peu, je pense. J'ai besoin de Vito pour gérer ce territoire. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Tu me gardes sous le coude juste pour faire joli? Parce que là, je me demande sérieusement ce que je viens foutre. C'est bon, on a terminé? Ok, on a fini. On s'arrache. Fatigué, ce petit Toulon-là, man. Il veut juste du territoire, man. Comme toi. Si vous m'envoyez une nouvelle. Ouais, je suis dessus, mec. C'est du fric à mettre à l'ombre, Del Rey. J'arrive. C'est bon, j'arrive. T'attends quoi? Tiens-toi.
veux quelque chose, dis-le-moi. Merci. Je crois que c'est bon. Ok, on s'occupe de toi aujourd'hui. Je crois que je peux y aller. Si je l'ai marqué. Wow. Ah, c'était pas lui. Je suis calme. What? Ok, je suis mort, je suis mort. Ça va? Ah, désolé. Lincoln, vise un peu ces outils pour rafistoler les trains. Ça calme, hein? Ouais. Je vais mettre ça. Fuck that. Vise un peu ces outils pour rafistoler les trains. Ça calme, hein? Je pense pas que j'ai sorti à la bonne place, mais...
envoyer un nouveau véhicule? Je suis à Barthémis. Ouais, je te l'amène tout de suite. Une belle bagnole, comme vous l'avez demandé. Merci. Vas-y. Bonjour, salutations et toutes ces conneries. Ça te fait loin de Pointe-Verdun, pas vrai, Bert? Je me suis dit qu'il était temps que je raccroche. De toute façon, j'avais plus grand-chose à foutre là-dedans. Tu fais quoi, alors? Des psychotropes. Et il paraît que la meilleure cam vient de Frisco, du PCP. Et ça empiète sur mes plates-bandes. Ok. Ça se passe où, alors? J'en ai pas la moindre idée. Mais il y a quelque temps, Olivia Marcano a embauché un chimiste qualifié. Un certain Bobby Bastian. Elle l'a chargé de s'occuper de reprendre la main sur ses trafics, ce qui empêche toute concurrence. Putain, ils embauchent même des taxis pour livrer la cam. Si j'arrive à mettre la main sur ces dealers, je les ferai parler, histoire de mettre Bastian en difficulté. C'est pas tout. Il paraît que Madame Marcano a rameuté d'autres grosses têtes de San Francisco. Si t'arrives à te débarrasser d'eux, Bobby Bastian se retrouvera dans un sacré merdier. Casse la gueule à quelques gars de Bastian, peut-être qu'ils te diront quelque chose d'utile. Parfait, merci. Waza, waza. Ouais. Ben ouais. Le 2. 2. Ouais. Détruis ça. Ok.
Tu as Frisco, j'ai besoin de matos. Oh, ça je l'ai. J'arrive. Tiens bon. Hein? What the fuck, man, ça a tout explosé. Ah, c'est... je cap. J'ai déjà ça, Chris. J'ai appuyé tout de suite sur le bouton. Montre-moi ce que t'as. C'est quoi ça déjà? Ça, ça marche pas. Terminé. Tu sais comment me trouver. T'as du temps à perdre, mais pas moi. Juste le gars est parti. T'as les autres en plus. Ah non. Elle défoncée. Ah, G. Je pense que j'ai jamais pris la date, fait que. Let's go. Dégage, dégage! Tu l'as vu, je te fais pareil. Haha. Oh. Et gardez la. Bon sang! Il est là le tabarnak. Il est allé finalement. Ah non, j'ai pas de police finalement. On va partir. On se met à
Temps de perte de temps. Viens à vous, les gars. À toutes les unités, visuel négatif sur le suspect. Je répète, contact visuel perdu. Les gars, il est pas là. C'est l'heure de la prière. Contre maintenant. Ce mec est à moi. Oh, shit. C'est la réalité d'une shot dans les airs. C'est toi qui l'as voulu. À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, abandonnez les recherches. Retournez patrouiller. Attention, un homme de couleur armée a été signalé à Frisco Fields. Rendez-vous sur place. Vos unités présentes. Il me soit une nouvelle bagnole à Frisco. Je crois que je vois le système. Tavernac. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mon Dieu, il a un flingue. Vos unités présentes, contact visuel avec le suspect perdu. À toutes les unités des environs, le suspect affronte les unités présentes. À toutes les unités, code 60, on a signalé un agent blessé. Cours, cours!
30, contact visuel avec le suspect perdu. J'ai pas... Tabarnak, il y avait du monde dedans. Il paraît qu'on marchera sur la lune d'ici l'été prochain. Fais un peu attention, abruti. Tu as Frisco. Tu as Frisco avec. Détends-toi. Je suis torche en chiffon. Je pourrais pas conduire, même si ma vie en dépendait. On se voit plus tard. Si tu veux quelque chose, dis-le moi. Je peux m'occuper de quelque chose. Bon, je crois que je peux y aller. Montre-moi ce que t'as. Le deal est terminé. Tu sais comment me trouver. Regarde bien là, du coup. Appelez les flics. Ces jeunes n'ont vraiment plus honte de rien. Ce bruit me dit rien qui vaille. Hein? Merde, c'était quoi? Un bruit. Ça, ça peut venir de n'importe quoi. Il vaut mieux tirer ça au clair. J'aime pas ça du tout. J'ai trouvé la source de la fumée et je crois qu'on va crever. Chopé. On dit. Avec toi, je vais prendre mon. Abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Tu sais pas encore, mais t'es mort. Bougez à couvert. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui... Ah, ok. Là-bas, tirez les trucs, putain de merde. Je vais t'avoir. Oh, voilà. Ah. Non! Ah, Steve voulait pas se coucher! Oh, le fer! Je suis poche. Aïe, 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 ça fait chier ça. Parallèle, ok. Hop.
Fuck you. Hey, je suis nul là, c'est quoi qui se passe? Yo, what's up? Je rappelle à mes nouveaux views que je joue à difficile, fait que... Mais ça... Rien à voir, ça fait chier à tabarnak. Da, my friend, da. À Mafia 3, mais là, si je suis rentré dans une usine de PCP, ils font de la drogue, mais là, si j'avais pas de crever comme une merde. Bon, beaucoup en crise, mais bon. Ah, il m'a envoyé un message. Hola, está bien hoy. Como... Hola, señorita. No, YouTube. Let's go. Ouais. Mais non, c'est là. Je sais pas, là... So-so? Man. Fuck that, kamikaze. Calice de tabarnak. Ben pas de crever, fuck you! Il est pas mort. J'ai perdu. Ok. T'es des cibles en vue à Frisco. Ça marche, on arrive sous peu. On va les avoir là, c'est assez niaisage. Qui fait la loi. Vous l'avez vu ? Démontez-le. Ha ha ha. Ah quoi, excuse. Eh, on est pas réussi. Ouais. Je vais me faire fonce aux têtes.
C'est sûr que si tu restes en tank, c'est facile. Ouais, mais là, devant l'avion. Justement, dans un véhicule tout court. C'est toujours cool. Cassandra m'a dit de vous appeler. J'ai besoin d'aide avec vous. Parfois, on marche pas à tout. Oh, dang. T'as eu un coup de bol. C'est toi qui l'a fait. Merde. Transforme-le en passoire. Ah, cache-toi, Calis. Les derniers jours de ta vie de merde! Et boy! Il savait, calice de tabarnak! Pas assez de munitions pour faire ça. Là, j'ai tué quelqu'un d'autre d'important. Okay. Bon, plus d'alcool. On remet de l'alcool. Vite. Vite. C'est bon ça. Ouais, ça. Hey, y a encore full monde. Fuck off, man. Je vais arrêter là. Ok, il est gelé là. Tu as Frisco Fields et j'aurais trop du. Je suis dessus, mec. Tu as Frisco avec trop de cash dans les poches. Faut que j'en refile. Trop de cash, j'ai 112 piastres, négro. Je te rejoins. Pas besoin de te dire ça. Oh. Tu veux un truc? Montre-moi ce que t'as. Fais en bon usage, coup de main. Je me tire. Thanks, hello. Là, faudrait que j'aille, c'est quoi ça? Allez. Là c'est fou, j'arrive là-dedans. Oh, on peut pas aller online. Ça va être drôle.
Oh yes. Tavernaque. Expédier Barbieri, c'est plus facile que de virer toutes ces publicités merdiques à la radio. Hein? J'espère que c'est quelqu'un qui me fait marcher. Genre. La recette d'un bon bombo, le laisser réduire avec la sauce de la porte. Mais écoutez, pour elle, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Bah, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre ? Frisco Fields, ancien bastion des grandes fortunes et du raffinement. C'est quoi ça là ? C'est quoi la joke là ? Voyons voir. Je croyais que j'allais peindre. Mais j'étais pas doué. Ce qui paraît, ça a sérieusement bardé au vieux phare. Hein ? Hein ? Attendez ! T'as déjà bouffé au Catfish Queen ? Pour ça. Pour eux, la... Là ! Par là ! Et bon, il faut sauver la fin. Appelez les flics ! Cassandra m'a dit de vous appeler. J'ai besoin d'aide avec les téléphones. Ouais. Je dirais qu'on a un invité. Je vais te désinguer, enfoiré. Je voulais plus mettre une C4 à terre pour qu'il explose, mais... Pas bon. Ah oui, je sais, mais. Non, désolé. Qu'est-ce que tu fiches avec les trois ? Chopez ce sale abruti ! Faites donner à vous faire. Oh mon dieu ! Barrez-vous de là ! De la chance! Ah, putain de mouche! Dégagé! Je me mets à couvert! Tirez-lui dessus, putain de merde! Arrosez-le depuis l'autre. Chopé, je vais t'assommer. Je suis à court, je dois recharger. Sors-moi de là.
fait m'éclater, mon gars. Seigneur, je t'en prie. Okay, what the fuck, man? Dommage ça. Je savais pas qu'il y avait ça. On va aller buter. Ça va être dope. Ah, pas cool. Ah, peut-être la porte. Non, même pas. Comment ça? Tu sais qu'on peut, il y a du cash à l'intérieur. De force la fenêtre. Je pensais atterrir là. J'aurais tellement les buter ces astis là. Je serais drôle en tabarnak. Oh man, y'a deux gars qui sont en train de s'acculer ici, de dans ma face. Ouais, la mafia. 3. Avant d'ouvrir la porte, man, il y a du cash à l'intérieur, mais ça entend juste des tirer. Hein. Bon, en tout cas, on y va. Centre-ville, faudrait qu'on passe une bagnole. Ouais, je te l'amène tout de suite. Mmh.
4 roues et un moteur. C'est pour toi. Merci du coup de main. C'est pareil que Alice. Non, c'est pas un char, c'est pas de taré. Dans le centre-ville. Virez-moi ces flics. Compris. C'est pas facile. Non, 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 non. C'est bizarre, ça. C'est mieux de ralentir sur la fourchette. Ouais, c'est ça. Je suis en train de pleurer. Pas bon ça. Non. Fléau. Ah, ok. C'est bon. Ça doit être là-dedans. C'est quoi les journaux là? C'est chaud pour ce pauvre Franky, cette histoire dans les bains. Désolé, mauvais jeu de mots. En tout cas, Tony DeRadio a du mal à contrôler les politicards de la ville à cause de vous. Et c'est pour ça qu'il a ordonné à Franky de garder un œil sur les impériales. Dans ce genre de situation, le moindre faux pas est mortel. Comment vous allez gérer Franky? La balle est dans son camp. Eh, je pourrais vous filer le train? J'ai ma caméra dans la voiture. Si vous voulez remuer un peu plus de merde, prenez sur votre temps libre. J'ai mieux à faire que de trimballer un fouille-merde partout en ville. Ça va, j'ai compris.
On se voit plus tard. Si vous tuez Bernard, prévenez-moi, d'accord ? Voilà, je fais un dégât. Il me faudrait du ravitaillement. Je suis en route. Tu vois quelque chose qui serait utile? Fais-moi voir ce que t'as. Merci. Que c'est bon. Ouais. Ah ouais, en platine. Ah ouais, tu prends en platine, mais si tu l'as pas fini, c'est pas possible. Francky t'avait chargé de collecter l'argent. Pas de cas dans ton genre. Je sais où t'es parti, du con. On va alors, je vais faire la mission. À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Oh, oui, vous de là. Par la vallée de l'ombre de la mort, je me connais pas mal. Dire que j'ai survécu à Iwo Jima pour crever. T'es pas si malin, connard. Là, découvrez ce sac à merde. Vas-y. Regardez le seigneur. Hein? T'en vois mal au top. Viens à vous, les gars. Je suis coincé. File-moi un coup de main. Là où il faut... Quelqu'un. Je vais ramener des cailloux. Faites avoir, mon pote.
garage. Chopez ce sale abruti. Hein? On dirait qu'on a un invité. Oh wow. Pas pris ça. Au moins si tu n'as réécouté un. On dirait qu'on fait. Oui, il voulait pas se cacher, il charge les tirs. Non mon carré, je suis allé là. Pour courir, mon garçon. Tu sais que t'as pas. Ce con est à moi. Cette pute noire est à moi. Je peux pas bouger. Je me fous à couvert. Envoyez-moi des porte-flingues en centre-ville. Ça marche, ça arrive sous peu. Ouais. On y va. Et Franco sur la gâchette. Ce con a eu de la chance. Cet enculé. Non, pourquoi je me suis levé? À cette petite cave. Une drogue. Aïe aïe, tu sais que je suis nul. Pourquoi? Centre-ville, il me faudrait du ravitaillement. J'arrive, tiens bon. Tout ce que tu vois est à voir. Dépêche, toi, voir ce que t'as. Terminé. Tu sais comment me trouver. Personne ne prend plus de décision depuis leur départ. Je vous le dis, ces deux-là étaient le cœur et l'âme du bureau. Une grenade. Bien sûr, je suis en route. Les petites putes me font marrer. Oh mon Dieu, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Dieu tout puissant. Oh merde. Pourquoi ça m'arrive à moi? Quelqu'un vient de m'aider là! Hey, calé, je faites-lui un deuxième trou! On sent! Glisse-toi derrière lui! Il nous tire dessus! Okay.
c'est la fameuse place. Ah, c'était peut-être lui qui faisait. Ah, yeah, c'est lui qui faisait enculer. C'est lui qui a enculé. Allume-le avec un molotov. Je vais le réchauffer un peu. Ah, c'est drôle ça. Je vais filer ce qui reste de toi à mes clébards. Chope-le par l'autre côté. Je vais à couvert. Sérieux. Je suis blessé. Chope-le. Putain, c'est bon ça. Emmenez-moi à l'eau, stop. T'es un black. Ouais. Merde, merde, je suis touché. Ah, enfin, je t'ai eu, ça l'a pas. Cet enculé essaie de me descendre. Tu vas te lever, non? Et alors quoi? Tu vas me buter? Bonne oui. Bye. Ça l'a pas. Ouais, tu vas t'en quoi après, j'espère, l'espèce de trou duc. On voit quelqu'un centre-ville. Il faut qu'on le sécurise tant qu'on peut. Tiens, là. Ici, je sécurise la totalité du quartier pour toi. J'espère que toi, tu me l'attribueras. Agnès a participé à la marche de Washington. Je peux pas être plus fier d'elle. Ah bon? Vous savez ce qui s'est passé au phare? On n'en dit pas grand chose aux nouvelles. C'est une belle petite place, ça, maintenant. Bon ben. Merci tout le monde d'avoir regardé. Désolé, je vais arrêter la diffusion. Ciao.